Bisous. Alors, je te montre pour défragmenter le dur, qu'il faut faire au moins une fois par mois, en fonction si tu bouges beaucoup de documents, de fichiers d'un côté à un autre. Bon, de toute façon, l'ordi va te le dire s'il faut le faire ou pas. Donc, poste de travail. Donc, ma souris est bizarre, mais c'est normal. Donc, c'est avec le bouton droit, tu cliques sur propriété. Donc, tu as ça, tu fais outils. Défragmenter maintenant. Voilà. Donc tu peux réduire ou l'augmenter, hein, ça on s'en fout. Voilà. Tu cliques sur ton disque dur. Logiquement, tu as la cam, au moment où tu as les deux, tu fais les deux. Hein. Analyser. Hop. Attends, il va te le dire. Et là, tu dis, vous devriez le faire. Donc si tu dis ça, c'est qu'il faut le faire. Donc tu fais ça et ça te prend quand même plusieurs heures. Hein. Mais bon, ça te permet. Ça, ce qui permettra à ton dur d'aller beaucoup plus vite et voilà. C'est plus simple. Parce que toi, tu as des fichiers qui sont là et là, donc ils perdent du temps par là et là. Donc c'est beaucoup plus simple à faire et il faut le faire assez souvent. Voilà, bisous, terminé.